Mesdames et messieurs, chers abonnés des Plumes Conscientes, bonjour. Je suis Tigui Elébé Motinguia, initiateur du mouvement littéraire Les Plumes Conscientes. Le livre du jour porte un titre évocateur, Amour sur Android. Oui, vous avez bien entendu, Amour sur Android. Ne me posez surtout pas la question si l'amour existe sur Android. Je vous propose de le découvrir de vous-même à travers ce livre écrit par Trésor Dieudonné Kalonji Biliolo, publié aux éditions d'État Gédéon. Mais qui est l'auteur de ce livre au titre aussi évocateur? On va le découvrir tous ensemble. Trésor Kalonji est un jeune auteur congolais, technicien autodidacte, qui a débuté sa carrière dans le marketing et la gestion des réseaux sociaux pour le compte de nombreuses marques et institutions nationales et internationales. Il a développé, et il continue d'ailleurs, à développer des jeux vidéo à ses heures perdues et s'intéresse à l'univers hermétique de la cybersécurité. Déjà auteur de 4 ouvrages scientifiques et d'options, Amour sur Android est donc son premier roman. Maintenant que vous connaissez un peu plus l'auteur, vous savez aussi que l'inspiration n'est jamais très loin, hein. Elle se trouve parfois dans sa sphère d'activité professionnelle, soit-elle. Le roman Amour sur Android révèle une forme de récit, la réalité qui se cache derrière les petits écrans de nos téléphones à travers les réseaux sociaux. Fleur de Lys est un profil glamour et sexy d'une fille épanouie au teint clair et à l'allure toujours soignée. Au-delà des jeunes, des hommes mariés et puissants qui lui écrivent en privé pour demander des images érotiques et d'autres petit plaisir défendu. L'un d'eux envoyait régulièrement des unités de communication chaque semaine pour des bouts de seins qu'il réclamait mais ne voyait jamais. Derrière ce quotidien se vit pourtant un drame, celui d'une jeune fille en quête de vérité, rongée par l'anxiété de partager son existence avec un homme dont elle pense qu'il ne l'aime pas suffisamment. Mélanie, c'est d'elle qu'il s'agit, entreprend donc de se former à la séduction sur Internet afin d'éprouver la fidélité de son bien-aimé. Elle découvre les arcanes d'un monde où les apparences et l'affirmation de soi revêtent un caractère principal. Donc, à ce dont la bouche professait conseils et orientations existentielles, se juxtaposaient des donneurs de leçons érigés en censeurs, distillant une atmosphère anxiogène et déprimante, alimentant les processions de scandales et de harcèlement, sacrifiant sur l'autel de la vertu ceux que la société avait jadis frappés du sceau des justes. Dans cet ouvrage, Trésor Kalonji nous plonge dans l'univers impitoyable de la séduction en ligne, un monde cruel qui impacte le quotidien de milliers de jeunes filles qui font l'expérience de l'amour à distance, comme Mélanie, le personnage principal du roman. Pour l'auteur, donc, derrière ceux et celles que nous côtoyons tous les jours se cachent des grands et des beaux messieurs aux visages angéliques ou des filles aux fines silhouettes qui feraient rougir les anges. Pourtant, la réalité des réseaux sociaux est bien loin d'être celle qu'on croit. Tout le roman donc tourne autour des questions suivantes. Comment réagirez-vous si votre petit ami refuse systématiquement de vous montrer où il habite? Ou alors de vous faire rencontrer ses amis ou les membres de sa famille. Que peut-il bien vouloir cacher en faisant tout ça? La grosse question à travers ce livre, mais je vous la pose, Mélanie parviendra-t-elle à garder la tête froide dans cet univers périlleux pour l'adolescente qu'elle est, ou se laissera-t-elle emporter par la vague? Mais ça c'est à découvrir, et je vous laisse le découvrir. Allez, rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes. Partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Nous sommes également sur Instagram et sur Twitter sur le même nom, Les Plumes Conscientes. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.